Bonjour, il est 18h, nous sommes en direct sur Léman Bleu, c'est le journal des bonnes nouvelles. Je vous présente tout de suite mes invités, vos invités, en commençant par Azania, puisque ladies first, comme on dit. Bonsoir Azania. Bonsoir. Il y a également Vincent, non pas Gallo, mais Gall, Vincent Gall, et Georgios Topoulos. J'ai tout bien dit. Bonsoir, très bien, parfait. Eh bien, alors on va parler de partage, de générosité, de comment est-ce qu'on peut être encore plus heureux en donnant aux autres. Et dimanche, donc dimanche, une autre manière d'aider, c'est d'aller écouter Azania. 19h dimanche à l'Emmanuel Church, 3 rue de Montou, au Paquis. Azania, donc tu vas chanter pour une association qui s'appelle All as One. Exact. Donc c'est l'occasion, ben voilà, là on donne des denrées, là on paye l'entrée, c'est 25 francs, 20 francs en prévente. Et puis eh ben, on va t'écouter chanter, et puis en même temps ben, ça permet d'aider All as One. All as One, quelle est cette association? Alors, il y a eu pendant 10 ans une guerre civile en Sierra Leone. Mm-hmm. Moi, je suis d'origine sierra léonaise. Je n'ai jamais habité là-bas, mais j'ai toujours voulu aider parce que cette guerre était vraiment atroce. Il y a beaucoup d'orphelins qui sont là dans les rues. Mm-hmm. Et donc, cette association certains, aide ces orphelins. Voilà, certaines meurent, etc. Donc, cette association les accueille dans leur maison, mm-hmm. ils ont une assez grande maison. Il les aide même avec leur éducation et également, il leur donne des soins médicaux. D'accord. Donc vraiment, c'est une association très, 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 très sérieuse. Qui te tient très, à cœur aussi. Voilà, parce que et ça m'a touchée énormément. On est avec le cœur en même temps, hein, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'associations, on le verra tout à l'heure avec Giorgio. Oui, c'est vrai. À un moment, il faut choisir. Donc le but, ce n'est pas de dire aux téléspectateurs, voilà, vous pouvez donner là. On ne peut pas donner partout. En revanche, laissez parler votre cœur. Si c'est des gens ben voilà, d'origine de Sierra Leone, pour toi, à titre personnel, ça te touche personnellement. Mais surtout, après, ben, des gens qui ne connaissent pas du tout cette association peuvent aller juste t'écouter chanter et sans rien faire, aide aussi cette association-là. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'Azania va nous chanter une chanson. How sweet it is. Shelter of someone's arms, and there you were. You see, I needed someone who understands my ups and downs, and there you were. With sweet love and devotion, deeply touching my emotions. I won't stop, and thank you, baby. I won't stop, and thank you, baby. How sweet it is to be loved by you. Yes, it is, darling. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night and wonder where I'd be without you in my life. Everything was such a bore. Everywhere I went, it seems I'd been there before. But you brightened up all my days with a love so sweet in so many ways. I won't stop and thank you, baby. I won't stop and thank you, baby. How sweet it is to be loved by you. Yes, it is, darling. How sweet it is to be loved by you. Azania qui sera en concert. J'ai perdu tous mes petits papiers. Tu peux revenir. Merci. Revenez donc. Le dimanche 28 novembre à 19h, du côté de la Emmanuel Church, à la 3 rue Montou. Et puis je te laisse présenter notre ton pianiste. Oui, alors il y a Jean Ferrarini qui m'accompagne depuis plus de 10 ans. Ouais, il a beaucoup de courage. Il est extrême. Non, je plaisante.
Non, il est adorable et puis on travaille super bien ensemble et il soutient aussi cette cause. Donc, donc là, c'est une chanson d'amour. Hein, l'amour, ça, l'amour, ça donne gratuitement très, aussi. Hein. Très heureux. Non? Alors, c'est le journal des bonnes nouvelles. C'est le journal des bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle aussi, c'est que bientôt, il y a un CD qui va arriver, Azania. Oui. C'est pour quand? Là, je suis en train de composer donc, des chansons soul et funk. Et là, ça sera pour l'année prochaine. On peut écouter un morceau en exclusivité, c'est ça? Avec grand plaisir. Ben oui. Quelques secondes de l'album à venir d'Azania. Donc, Azania, tu as joué dans plusieurs groupes, dont un qui est Time Machine aussi, qui a eu beaucoup de succès et qui en a toujours d'ailleurs. Il y en a toujours. On écoute un petit bout du morceau? One's hard to find. I know what's best for me. Voilà, merci. Won't donc, album à sortir en 2011. Hein, la vie avec le sourire. C'est plutôt, on parlait des États-Unis tout à l'heure. Tu es à moitié américaine ou totalement américaine? Ou pas du tout américaine? Je suis de nationalité américaine. Voilà. Tu es née là-bas. Donc, les États-Unis, la culture du sourire, c'est vraiment, on sourit tout le temps. Oui. Et ça fait quoi, en fait? Ça fait que les gens ont l'air plus heureux? Ça se transmet? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'air, ils sont. C'est-à-dire que même quand on rentre dans les magasins, quand on mange au restaurant, on vous accueille toujours avec un sourire. Okay. Exactement. Bon, ils vont toucher aussi leur petite... voilà, parce qu'eux aussi, il faut pas oublier qu'ils ont, ils sont payés aussi aux tips, quoi, au pourboire. Donc, autant qu'ils soient agréables. Alors, c'est pour une bonne raison, mais ça fait plaisir. Même, c'est vrai que ça fait vraiment partie de la culture. C'est d'ailleurs pour ça que les gens, ils blanchissent les dents. Ah, parce okay. Il faut vraiment faire le maximum. Mais le sourire transmet de toute façon quelque chose. Hein. C'est vrai que donner, ça donne une petite satisfaction aussi. On se dit qu'on a fait quelque chose de bien, et tant mieux. Vous pourrez aller voir aussi Azania dimanche. Je vous souhaite un excellent week-end. Si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, ça nous fera plaisir aussi. Que la vie soit un sourire, et on vous aime. À lundi. C'est le journal des bonnes nouvelles.